Salut tout le monde, aujourd'hui, c'est jeudi le 13e octobre pour la réception de 2022. D'après la nouvelle la plus récente de CAM présentée dans le site web de publicitaire.com pour le jour d'aujourd'hui, on peut en parler de ce qu'il faut savoir concernant les avantages de sécurité sociale destinés aux bénéficiaires dans la nation des États-Unis à partir de janvier de l'année prochaine, 2023. En parlant de cette matière, il faut savoir que les avantages de sécurité sociale destinés aux bénéficiaires dans la nation des États-Unis, cela se fait sous forme d'allocations mensuelles versées par le gouvernement de la nation des États-Unis aux bénéficiaires dans la nation des États-Unis. En parlant de cette matière, d'après la nouvelle, on me dit que la nouvelle vous fait savoir une augmentation 8,7% dans les avantages de sécurité sociale destinés aux bénéficiaires dans la nation des États-Unis à partir de janvier de l'année prochaine, 2023. C'est-à-dire qu'un bénéficiaire se trouvera en mesure de recevoir une augmentation d'environ 140 US dollars dans chaque allocation mensuelle versée par le gouvernement de la nation des États-Unis à partir de l'année prochaine, à partir de janvier de l'année prochaine, 2023. D'ailleurs, d'après la nouvelle, on me dit que pour les bénéficiaires des avantages de sécurité sociale, on me dit que à partir de janvier de l'année prochaine, 2023, on se trouvera également en mesure d'éprouver un abaissement 3% dans le coût concernant le montant préliminaire destiné à la section B de l'assurance maladie que l'on appelle Medicare Part B, un programme d'aide médicale administré par le gouvernement de la nation des États-Unis.